Vous êtes allé cool. Non, on va pas mentir. On s'est fait mal. On s'est fait mal. Alors, toi j'ai dû le pousser. Il avançait pas. Tiens, mais alors c'est très marrant parce que Stéphane il m'a dit l'inverse tout à l'heure. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais. Bah au 500 je lui ai dit il va falloir accélérer mais on est resté sur place. La sixième a pas voulu passer. Les Chinois sont partis là mais on est resté sur place nous. Ouais, est-ce que t'as eu le vent de face en c'est fait ça. Pas de face, de dos. C'est ça. C'est Stéphane, il a pas lancé là. Enfin, non, mais non, ils ont été vraiment très forts. Ouais. Hein. Ouais. Et c'est impressionnant ces Chinois, ils sont partout, ils survolent les jeux, ouais. Tout va bien pour eux. On le savait, on avait décidé de partir très fort. Donc on est parti très fort, on les a tenus jusqu'aux 500 mètres, puis après bah, ils ont accéléré. Et on n'a pas su répondre tout de suite. Je pense que si on avait répondu tout de suite, effectivement, ça aurait mis le doute. Mais là, bah, voilà, ils ont pris 3 secondes aux 700 mètres. Et puis alors après, bah, après voilà, quand on a pris les devants, après c'est terminé. Quoi. Oui, puis après c'est dur de revenir. Hein. Ouais, l'aviron c'est. Ouais, c'est surtout qu'ils ont pris confiance. Hein, donc quand on est devant, on prend confiance et on lâche plus rien. Quoi. Alors, moi j'ai un message à vous passer à tous les deux et en particulier à toi Perle. C'est sympa. Tu vas comprendre mon Stéphane. Toujours Perle. Mais de toute façon, il n'y en a que pour elle. C'est toujours les filles. Hein. Impressionnant. Non mais c'est quand même grâce à lui qu'on a eu la médaille aussi, tu vois, moi je le dis. Ouais, on est deux dans le bateau quand même, tu vois. J'ai un homme fort. Le dieu de l'aviron est avec moi. Tu dis quand. Attends, parce qu'elle dit ça là quand elle a l'antenne, mais dès que les caméras sont coupées, il faut voir ce qu'elle dit. Hein. T'as déjà entendu Stéphane. Oh là là. Tu prends cher quand même. Grave. Moi c'est Hervé. Ah, c'est à lui que je pensais. Ah. Ouais, super. Ce petit Hervé Isorek a bien souffert quand même, ma foi, quand il était venu te voir. J'ai revu l'émission, ça, on a beaucoup rigolé. Ah, il y avait de quoi. Hein. Mais bon. Donc on a une petite pensée pour lui d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Quand il veut, on remet ça quand il veut. Alors, faut dire que vous n'étiez pas du tout hein, jusqu'alors au village olympique, enfin olympique ici pour ces Jeux paralympiques, vous étiez loin. L'arrivée, ça donne quoi? C'est grandiose. Je pense qu'on s'imagine pas, enfin je sais pas, Stéphane. Non, c'est on commence, hein, donc voilà, ouais, c'est impressionnant, c'est le monde, la foule, le village, avec tous ces athlètes. Pour nous, c'est vrai qu'avec l'aviron, on était une centaine d'athlètes donc à une heure d'ici. Et là, avec la foule et tout, c'est vraiment, ouais, on commence, on s'acclimate quoi, tranquillement. Et t'as trouvé tes magnums? Pas encore, c'est Steph qui adore les Suchards et les Magnums, mais bon. Pour l'instant, les Magnums. Je viens de trouver la bière, mais j'ai pas encore trouvé les Magnums. c'est autre chose, on va dire. Ouais. Et bon, là, donc on a bien compris, les Chinois étaient okay, plus forts, j'aurais arrêté de le dire, j'aurais arrêté de vous enfoncer le clou, mais c'est quand même super la médaille d'argent, c'est. Waouh! Moi, je pense qu'on est quand même un bateau jeune, même si les gens pensent qu'on rame, ensemble que depuis 2010. Il faut pas l'oublier. Donc, enfin, moi, ça fait pas longtemps que je rame. Stéphane un petit peu plus longtemps, mais depuis le début, on arrive à faire des résultats sur la scène internationale. Donc, c'est vrai que c'est motivant, comme tout athlète et tout sportif de haut niveau. Hein, quand on est au départ, c'est pour aller chercher la plus belle des médailles. On va pas se le cacher. Donc, quand on arrive, on est un petit peu déçu, mais en même temps, on se dit qu'on a quand même une belle médaille d'argent, qu'il y a plein d'athlètes qui aimeraient l'avoir. Donc voilà, on veut la savourer et on a travaillé dur, on a fait beaucoup de sacrifices aussi. Il y a eu des rires, des larmes, enfin beaucoup de choses. Et donc c'est une belle récompense de l'avoir et il faut qu'on en soit fier quand même. Faut dire que dans cette équipe, vous n'êtes pas que deux. Hein. Il y a d'autres personnes derrière, je veux dire. Il y a forcément Michel déjà. Hein, ouais. Et une grande pensée pour Michel Collard qui. Alors on va pas tout vous raconter, mais Michel Collard, il est au bar en ce moment. Parce qu'il y a un bar dans le studio, parce qu'au pavillon DF, si vous voulez, il y a un bar. Donc là, voilà, il picole, faut être honnête, mais je crois qu'il fait ça à peu près à longueur d'année, donc il doit plus voir trop la différence. Non, mais c'est, ouais, c'est super bien, on a la chance d'avoir un très bon coach, ça se remarque, hein. Il a deux bateaux en finale, deux bateaux médaillés, donc voilà, cette médaille c'est aussi la sienne, c'est celle d'un staff, d'un kiné qui bah, est là pour nous, d'un manager, des clubs, fin, des familles, fin, tous les gens qui nous encouragent tous les jours, hein. Il n'y a pas à le dire, c'est vrai qu'on a la chance, donc... On tient aussi à les remercier parce que souvent on les oublie. C'est souvent les médaillés qu'on met devant. Mais il y a vraiment toutes ces personnes autour qui nous permettent d'avoir ces résultats et c'est important de les citer. Et beaucoup de travail aussi, hein, Stéphane. Hein, Ah oui, c'est beaucoup de travail. Puis bon, bah dans le milieu handisport, hein, on a aussi notre travail dans le privé. Hein. Donc c'est des heures d'entraînement le matin de bonne heure ou le soir. Donc les week-ends, les vacances. Enfin, moi, ça fait 3 ans que je rame.
Donc, c'est ça. Au sens propre. Ouais, ouais, je couche avec mon bateau depuis 3 ans, donc. Voilà. Non, non, c'est vrai que c'est extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire pour mes enfants. J'ai eu pas mal de galères, donc c'est vrai que ça permet de tourner une page, quoi. Voilà. Et là. Beaucoup de messages vous sont arrivés, textos, mails. C'est impressionnant. Incroyable. Même des gens qu'on n'a pas vus depuis 10 ans, des gens d'école, des gens. Enfin, moi, j'ai trouvé ça incroyable. Même les médias, enfin, au final, on ne pense pas quand on fait du handisport que les médias s'intéressent à nous. Et on se rend compte que l'équipe, sans citer, mais même des grands médias où on se dit le handisport ne sera jamais mis à l'honneur. Tu parles de nous, là, c'est ça ? France Télévisions, non, mais voilà, mais vous y êtes tout le temps avec nous. Donc c'est vrai que c'est plus courant. Enfin, nous, les journaux locaux sont souvent avec nous, donc il ne faut pas qu'on les oublie non plus. Mais c'est vrai que souvent, il y a les grands médias qui sont réservés pour certaines disciplines. Et là, ils ont fait un effort. Et il faut aussi le dire que on a été suivis. Je pense que j'espère qu'on a enclenché la marche, qu'ils se rendent compte qu'on fait des performances, qu'on est des sportifs avant tout, qu'il y a le handicap, mais qu'on est des sportifs et on veut le revendiquer. Enfin, je pense que Stéphane est d'accord. Et donc voilà, j'espère que maintenant, on va de plus en plus en voir dans les journaux, de plus en plus à la télé. Et voilà, pour montrer aussi et passer ces messages, en fait, parce qu'on a envie de donner aux gens l'envie d'aller faire du sport, que ce soit en loisir ou en compétition, mais vraiment partager ses émotions, quoi. Ouais, c'est ça, c'est qu'on n'a aucune prétention, quoi, en plus. Donc voilà, quoi. Donc on le fait, on aime ce qu'on fait, et voilà, quoi. Donc, on va retourner chez nous, hein, on va redevenir des gens simples, avec une belle médaille, mais voilà, la vie va reprendre. Et... Oui, mais il faut être honnête quand même, que ce soit. Enfin, pour la petite histoire, on ne s'est pas quitté de l'après-midi, en fait. C'est vrai. Pour les enregistrements de Télé 5 Monde, qui passent donc demain à 20h55, heure française, pour une autre émission de handicap, là maintenant pour le direct. Entre-temps. Vous vous êtes amusé à aller voir les gens, vous avez mis vos médailles autour du cou des enfants. Enfin, il y a peu de gens, il y a peu de sportifs qui font ça. J'adore la caméra, j'adore le micro. Oui, ça. Non, mais je pense que c'est important. C'est eux qui venaient vers nous et on n'a pas le droit de dire non, en fait. On n'a pas le droit, qu'ils soient anglais, français, allemand. Voilà, ils viennent chercher une médaille parce que pour eux, ça reste une médaille olympique, paralympique, la toucher. Là. Et quand on voit le sourire des enfants, on se dit qu'on a tout gagné, quoi. Enfin voilà, on est pris en photo avec eux, mais de voir leur sourire et leurs émotions, on se dit qu'on a réussi à faire partager quelque chose. Ce qui est très touchant, c'est, je me rappelle très bien les têtes que vous faisiez à Lille, qui était le dernier stage. Vous étiez fatigué, on vous sentait vraiment épuisé. Et maintenant, après la course. C'est des visages complètement différents. Enfin, c'est hallucinant. Je crois que vous revenez de vacances, en fait. Ouais, non, il y a des phases. Non, mais c'est vrai qu'il y a des phases avec l'entraînement. On peut ne pas se parler pendant 24 heures. Hein. Donc, je comprends, mais on a tous envie d'oublier de parler à Perle parfois. Non, mais c'est vrai que oui. Après, il y a des. Oui, c'est tout sportif. Hein. Ces difficultés. Hein. Et des gros coups de fatigue, ouais, par moment, ouais. Puis on vit quand même beaucoup ensemble, mine de rien. Ouais. On fait beaucoup de stages ensemble, donc on est ces garçons-filles. C'est pas non plus toujours facile à vivre parce que les gens se rendent pas compte, mais c'est aussi ça. Mais c'est super enrichissant. Enfin, moi j'aurais vécu cette histoire là 2 ans, ramé avec Stéphane. Enfin, la mixité, j'ai trouvé c'est ça cruel, super. Hein. Non, c'est pas pour le flatter, mais j'ai trouvé ça super enrichissant et je pense que ça peut apporter à beaucoup. Parce qu'il y a vraiment cet échange et ce partage. On est différents, les garçons et les filles, on fonctionne différemment. Et si on veut faire avancer un bateau, il faut que chacun y fasse des concessions et qu'on arrive à se connaître, en fait. Donc c'est ça, et je pense qu'on a réussi à le faire, à prendre les qualités de chacun, à aussi faire avec les défauts, parce que j'ai des défauts, Stéphane en a quelques-uns aussi, même si j'en ai un petit peu plus. Non, je considère que je ne suis pas facile dans le sport. Donc, mais voilà, on a réussi à travailler. En tout cas, ce qui est bien, c'est que la France, elle recolle là un petit peu, parce qu'on était un peu mal parti à un moment donné. Vous allez aller suivre les autres compétitions ? Bien évidemment. Et non, on essaie de trouver des billets, donc. Parce que vous n'avez pas les billets pour aller. Non, on n'a rien pour l'instant. On vient d'arriver, mais bien évidemment, qu'on va aller soutenir la France. Ouais. On va essayer de leur. On a insufflé les médailles. Il y en a beaucoup d'autres qu'on a insufflé, donc voilà, on va aller avec les autres maintenant pour les encourager. Il y a des disciplines en particulier Moi, j'aimerais bien voir le basket homme. Ah, où la France n'est pas. Non, malheureusement, mais je trouve ça impressionnant. Idem pour moi, le basket, forcément. Oui. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que tu viens du basket. Mais forcément. Là, tu vas aller soutenir les filles. Je vais essayer. Je crois que demain matin, elles jouent. Oui, si mais on va te dire ça. Tu demandes à la régie. Je crois que demain matin, elles jouent. Donc, je vais aller les encourager. Et puis, pareil, voir aussi les matchs... des garçons, parce que c'est un impact, c'est quand même un sport spectaculaire, et puis on va faire le tour, enfin le maximum pour encourager les athlètes français. Il y a des filles là du basket là qui jouent avec toi, tu en connais ?
Ah oui, la majorité ont joué avec moi. Il y en a, oui, mais je pense que toutes même ont joué avec moi. Donc voilà, c'est quand même difficile parce que moi je rentre avec une médaille. Elles non, donc c'est toujours. Mais bon, voilà, je pense que pour la plupart elles sont contentes pour moi. Et moi je suis aussi un petit peu déçue pour elles. J'aurais aimé qu'elles fassent mieux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à tous les deux maintenant? L'or. On espère au moins une fois avoir l'or. Les championnats du monde l'année prochaine, je sais pas ce que ça va donner là. Donc, Ils vont être où ces championnats du monde? En Corée. Voilà. En Corée. Donc voilà, donc on va peut-être se mettre cet objectif. On va se laisser un peu de temps, je pense, en septembre, là, digérer un petit peu, profiter de cette médaille. Retourner un peu dans la famille et dans les clubs. Moi, je vais retravailler. Travailler, d'ailleurs. Aussi, on l'oublie, d'ailleurs. On l'oublie, mais je vais retravailler un peu. Moi aussi, j'avais oublié qu'il fallait que j'en prenne le travail. Alors, toi, tu bosses à la Fédé quelque part. Mais j'ai quand même un métier. Non, mais j'ai pas dit que t'avais pas de métier, ça y est, ne commence pas à t'énerver. C'est bon, ton métier, c'est quoi? C'est d'aller en vacances? C'est le sport. Faire du sport. Faire du sport. Ramer. Ramer. Et toi, le retour au bureau, tu le sens? Non, je le sens bien. Moi, j'ai pas quitté beaucoup. Hein, donc, je le sens bien. Là, à partir de la semaine prochaine. Hein. Et puis, voilà. Puis, on va recommencer les entraînements. Et puis, la vie continue. Hein, c'est pas, voilà, la médaille, c'est extraordinaire. Et voilà, mais bon, il y a... Tu crois que ça va t'aider dans le métier de commerce, ton métier de commercial? Tu vas arriver avec ta médaille, bonjour, vous voulez me l'acheter? C'est une super victoire pour moi, bon, pour toutes les années de galère que j'ai eues. Donc, c'est une super victoire pour ça, pour mes enfants. Voilà. Quand tu dis ça, on a la chance de bien se connaître, hein, comme tu disais, on se suit beaucoup, il nous arrive de passer des jours et des jours ensemble. Je te sens vraiment revanchard quand tu dis ça. Parce que j'ai touché le fond, donc forcément après quand on rebondit, j'ai su rebondir et puis j'en suis là. Voilà, oui, c'est une belle victoire. Une belle victoire. C'est beaucoup d'efforts. Voilà. Après ça reste privé, hein, le reste. Non, mais... c'est surtout que je sens qu'après je vais me faire chialer. Donc... Ouais. Non, c'est pas le but. Bien. Et ben en tout cas, merci à tous les deux, à la fois pour la médaille et à la fois d'être venus et d'avoir joué le jeu avec tout le monde, hein, encore pour cette disponibilité. Vous savez que vous êtes les bienvenus, vous n'avez pas besoin d'invitation pour venir, vous connaissez les lieux, pavillon EDF, premier étage, vous rentrez, vous allez au bout. Ici, c'est votre salon. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Nous suivre, on est super touchés, il n'y a pas de souci, on reviendra. Puis on va continuer à se voir. Hein. Oui. La vie continue, reprend son cours et il n'y a pas de souci. Ça, c'est sûr qu'on va continuer. On est super contents. Mais alors, à tous les deux, et c'est vrai qu'on s'entend bien avec tous les sportifs, et il y en a quelques-uns où il y a de l'amitié qui s'est mise en place, et je crois que c'est votre cas. Et, c'est ça. Et on vous aime très fort. En tout cas, on veut venir te voir ramer quand même un peu. Hein. Oui, on aimerait bien, n'oublie pas. Ah, désolé, n'oublie piscine, pas. Là. Non, n'oublie pas. T'as un challenge avec moi. J'en vais à la piscine. Non, ben, c'est gentil. Promis, je vous ai dit à Lille, je l'ai dit à Lille que pas je viendrais. Pas de soucis, j'ai c'est un souvenir que tu avais dit que tu viendrais. Voilà, chose promise, chose due. En hiver. C'est ce que j'allais dire, on va éviter le mois de janvier, parce que la dernière fois, on était le 4 janvier, je me rappelle de la date, à se peler, pas d'autres mots. Vous avez du courage quand même, hein. Faut être clair. On ira dans le sud. Pas de soucis, t'es le bienvenu à Bayonne. Le soleil. Yeah.